Bienvenue à l'épisode 34 de Carnet de campagne, la grande campagne d'Europe avec Napoléon en difficile. Bien, alors, nous venons donc de prendre Lemberg, d'en supprimer l'Autriche, et maintenant, nous allons voir comment nous allons continuer à envahir la Russie. Alors, j'allais oublier mon gentilhomme. Alors, le gentilhomme, je vais l'envoyer à Magdebourg. Que voulez-vous de moi? Eh bien, je veux de toi que tu ailles à Magdebourg. Alors, Magdebourg, c'est ici. Voilà. Et maintenant, voilà, les savants prussiens n'existent plus. Alors, Magdebourg, qu'est-ce que Magdebourg va nous rechercher? Le dernier qui reste. 9 tours. Voilà, et vivement que l'usine soit construite, parce que maintenant... Ah, alors, maintenant que j'ai 7000, et on va quand même... lancer une construction pour pouvoir continuer les recherches. Alors, non, c'est pas ici, je confonds Bruxelles avec Paris. Aïe aïe aïe. Alors, soit je fais la cour d'appel. Regardons voir. Cour d'appel. C'est quand même, il y a plus de choses à faire au niveau militaire. Donc, on va faire l'école militaire. Voilà, l'école militaire, et on va continuer à améliorer les routes et les perceptions en magistrat dans les endroits que nous venons de conquérir. Et voilà, par exemple, en Silésie, on va mettre la route pavée, puisque... nous avons... Ah, non, pas de magistrat ici. Bon, voilà. Ensuite, à Danzig, il faudra mettre un magistrat. Je crois que j'en avais fait un à Stettin. Oui. Magistrat à Danzig, puisque, par contre, là, il y a les routes. Et à Königsberg, les routes sont en train... sont en construction. Et le magistrat est fait, donc ça c'est pas mal. À Varsovie, ouais, on a déjà la cour de justice et on a aussi la route pavée, très bien. Alors là, par contre, à Lambert, oh bah si quand même, je prends, oui, les routes pavées et construction, ouais, magistrat aussi, très bien. Donc ça, c'est pas trop en retard. C'est plutôt ici, je pense. Bon, Vilnius, on est en train de faire le magistrat et on fera la route pavée. On est en train de la faire aussi. C'est ici maintenant et là, je pense. Hein. Voilà, construction ici. Le magistrat est fait, alors que là, il ne l'est pas. Donc, on fera le magistrat à Minsk. Et puis. Et puis voilà. Donc, très bien. Alors, vers le nord, on s'est agrandi en prenant Riga. On construit, enfin, on reconstruit le. Alors, on va mettre des milices un peu partout maintenant. On va en mettre une ici, voilà. À Vilnius, je crois qu'il y en a déjà une. Mais ça ne suffit pas. Donc, on va en mettre une seconde. Oui, on va en mettre une seconde, voilà, jusqu'à ce que ça devienne vert, hein. Voilà, on va essayer quand même de faire en sorte que nos conquêtes deviennent aussi vertes que les autres. Puis on va regarder si maintenant on peut mettre l'impôt. Alors là, si on peut, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. On ne peut pas, toujours pas, non. Donc on va laisser...
Ben là c'est pareil, il faudrait que ça devienne... Bon ben le... Bon ici évidemment, ce sont des pays... Là ça c'est... Ce sont des pays qui sont pas... Qui ont pas le même... voilà. La même religion. Eux ils sont protestants, donc il y a des problèmes religieux, des troubles religieux. Et pareil en Russie, hein, dans, voilà, la Russie, je sais pas le Courlande si c'était quelle religion, c'est protestant aussi, a très peu de catholicisme, c'est encore pire. Donc là, troubles religieux, et puis bien sûr, ici c'est orthodoxe. Voilà. Ah non, c'est catholique, tiens. Ah ouais. Catholique, la Minsk. Minsk est catholique, Vilnius c'est quoi? Vilnius c'est catholique aussi, ouais, bon. Donc là il y aura moins de problèmes. C'est juste parce que ça vient d'être conquis, quoi, voilà. Alors, maintenant, on a vu que les armées russes sont surtout dans le sud. Et c'est un peu une promenade dans le nord et le centre, mais on va peut-être quand même rencontrer les armées russes quelque part. Pour l'instant, il n'y en a même pas ici. Si je sors, est-ce que... Non, je peux pas, là. Là, faut pas exagérer. On va rester... Attends. À moins que j'enlève l'impôt. Ouais, c'est bon, ça tient. Donc Napoléon, lui, il fonce, hein, toujours, hein. C'est à ça qu'on le reconnaît. Donc Napoléon fonce vers Smolensk. L'espion d'ici. Aouch. Hop. Nous disent qu'il se passe vers Novgorod. Et celui-là nous dit ce qu'il y a vers Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, vraiment, c'est incroyable. Par contre, là, je pense que je ne peux pas quitter. Attends. Il faut exempter aussi la région d'impôt. On va voir. Est-ce qu'on peut quitter? Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'éloigne énormément de Napoléon? Ou est-ce que plutôt je prends Novgorod pour être pas trop loin et que les deux armées se réunissent pour attaquer Moscou? Je pense qu'on va quand même... Si je prends Saint-Pétersbourg, ce que je crains, voilà, je pense ça, c'est que si je prends Saint-Pétersbourg, tout de suite, hein, je serai attaqué, je pense, par les Suédois. Qui n'auront qu'à franchir ici pour attaquer Saint-Pétersbourg. Hein, et je les aurai dans le dos. Alors que là, si je vais plutôt vers Novgorod, je peux menacer Saint-Pétersbourg. Et en même temps me rapprocher de Napoléon. Je ne sais pas trop comment je vais faire finalement. Parce que là, si je vais par là, je m'éloigne. On s'éloigne. Les deux armées s'éloignent l'une de l'autre. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis, hein, dirait-on. Eh ben allez hop, on y va. Voilà. Construction du campement. Très bien. Et on recrute, si c'est possible. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas recruter une milice, un régiment de milice. Et là, Liepaja, il faudra quand même construire un port de commerce, hein, dès le prochain tour, puisqu'on a réparé, on a lancé les réparations au Brandebourg. Alors le Brandebourg, bon, je pense pas que je vais laisser cette armée, je sais pas. Vraiment, ça me... C'est un peu dommage de laisser toute une division à l'arrière comme ça, mais on sait jamais. Mais non, mais comme j'ai aussi une division ici, je peux peut-être finalement l'envoyer quand même vers l'est, celle-là. Je vais l'envoyer vers l'est, comme ça elle assurera, elle, la police. Voilà, allez, on va faire ça. Alors ici... Ça y est, il a redisparu, Pépère. Alors, on va renvoyer une deuxième milice. Voilà. Ah, bon, c'est pas grave. Donc, auto-résolution de la bataille. Hein, je vais pas faire la bataille. Pépin Racine
Il n'a pas eu de chance. Infamie. Infamie, il est mort. Et lui, est-ce que... Oui, voilà. Monsieur. Enfin. Nous triompherons. Bah non. On triomphe pas, il s'est sauvé. Impossible, monsieur. Pas possible, monsieur. Ah. Oh. Bon, alors attends, ici on va créer... On va recruter, je ne peux pas recruter. En avant, marchez. Voilà. C'est vrai que d'un point de vue, c'est peut-être idiot d'attaquer Mikhaïl Koutoussov, parce que si je l'attaque et que je bats, sans aucun doute, il sera blessé et il reviendra à Moscou. Voilà. Donc on aura, ah bah si ce sera intéressant, comme ça on aura Koutoussov à la fin contre Napoléon. Donc ça peut être intéressant, effectivement, de voir Koutouzov contre Napoléon autour de Moscou. Alors, maintenant, ici, allons-y. On avance, cette armée oui, monsieur. Va attaquer Kamenets-Podolski. Mais bon, c'est pareil, on voit pas trop. C'est ici que j'ai pas d'espion, c'est un peu ennuyeux. Bon, enfin, on va avancer doucement. Marchez. Bon, ça va, et on attaque. On attend de vos ordres. Là, ils ne veulent pas se rendre. Il n'y a pas, évidemment, Masséna n'est pas, n'a pas la, le charisme, disons, de Napoléon. Mais nous allons, et ici, il n'y a pas non plus de résistance. Mais nous allons quand même faire la bataille. La bataille de Kamenets-Podolski en Volhynie-Podolie avec Masséna. Gendre et Masséna qui attaquent donc la ville. Et on se retrouve sur le champ de bataille. Bien, bon, bah, y a que... je n'ai que deux régiments de l'infanterie de ligne, mais j'ai quand même aussi des régiments d'infanterie légère. Et on se bat que contre la... des citoyens armés. Donc là, il va falloir doubler de vigilance. Il faut, apparemment, il forme une ligne avec une unité qui se met à l'arrière. Hop. Il y a toujours des décors, des éléments de décor qui gênent pour infanterie. Thank you.
main. Ouvrez le feu. Ah voilà, c'est là. Les canons ils sont mal placés. Allez, on va les... Ils sont pas bien placés. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Bon alors mes deux artilleries, on va les mettre juste vers l'arrière alors. L'une de nos unités est à court de munitions, monsieur. Les cavaleries vont s'attaquer à cette unité-là. Voilà, vous arrêtez de tirer. Et vous avancez. Bien, ben, on se retrouve sur le résultat de la bataille. Grave, invaincu. Bien, bon, ben voilà, Gendry Masséna a perdu seulement 134 hommes et remporte la victoire. Alors, il y a voilà, ce chasseur à cheval qui s'est beaucoup battu. A fait quand même 423 morts, c'est le record, et c'est d'ailleurs le seul, oui, c'est le seul à gagner un chevron, il lui reste 59 hommes. Et nous prenons pour la bataille
l'occupation pacifique, la ville de Kamenets, Podolski. Alors, que nous donne... Non, ça c'est la France. Voilà. Que nous donne cette ville? Eh bien, une manufacture, très bien. Une route de terre et une perception et une friche. Bien. Ok. Et la ville elle-même n'est pas abîmée. Évidemment, elle n'a pas d'infrastructure et sa construction est au niveau perception. Mais voilà, on avance là aussi vers Kiev. Alors quand même, hein, la Russie n'est pas du tout protégée. Soit elle s'attendait pas du tout à mon attaque, soit je ne sais pas trop ce qu'elle compte faire, hein, parce que il serait temps un petit peu qu'il se réveille. Hein. Sinon, on va prendre Moscou. Rapidos. Hein. Alors, attends. On va quand même regarder où on en est. Hein. Condition de victoire. On n'est plus qu'à une seule ville. Hein. Je prends Moscou et je gagne la bataille. Et je gagne la partie. Parce que, en prenant Moscou, je remporte la victoire ici et là. Voilà. C'est la plus économique. Et il faut d'abord prendre Smolensk. Voilà. Oui, maintenant le gouvernement. Bon, alors là, il y a beaucoup de régions qui ne payent pas l'impôt, mais c'est pas si gênant que ça. On gagne quand même 7800. Et nos ministres, donc le dernier arrivé, je pense, hein, c'est ça, voilà, n'a pas non plus un trait de caractère. Et pour l'instant, tout se passe bien, donc je conserve ce gouvernement. Et je crois que... Attends, je ne sais plus si... Oui, j'ai joué, hein, il me semble, contre... comment... Kutuzov. Voilà, si je peux pas avancer... Monsieur, non. Ok. Et puis, le navire... Alors, où en est-on? Nos navires, voilà. Ah! Oui, oui, monsieur. Non, c'est bon. Ils se sont rejoints tous ensemble. C'est vrai que c'était à l'épisode précédent. Enfin, pas, oui, à l'épisode précédent. Et que c'était dans le même tour. Bien, et ben on va passer alors. On va passer à début septembre. Déjà, on arrive dans les mois de fin d'été. Et ah, mais bon, pour l'instant on est loin de l'hiver, donc ça c'est intéressant en Russie, hein, parce que ce serait très embêtant d'être arrêté devant Moscou en plein hiver. Et ben ça s'avance pas mal, hein. Ah, un nouvel espion, alors François-Dominique de Reynaud, en Courlande, très bien. C'est très bien parce qu'il est pas loin du front. Et j'en ai besoin, j'ai besoin d'espions quand même, pour... non pas pour Napoléon, mais pour, comment, ici, pour le sud. Donc on va le faire descendre, voilà. Et voilà, on voit déjà les... couleur du début de l'automne, de la fin d'été, de l'été. J'ai pas vu où était caché le... Enfin bon. Alors ce régiment devait rejoindre... il va rejoindre l'armée de Masséna. Non, c'était pas ça. Je me suis trompé. Et Masséna, il avait besoin d'une infanterie, lui. Ah oui. Bon, bah voilà. Ça m'apprendra à faire attention. C'était lui qui avait besoin d'une cavalerie. D'une artillerie, mais c'est pas grave. De toute façon, ils vont s'approcher l'un l'autre. Et après, il y en a un des deux, ils vont voir. On va voir où ce moment on va faire. Oui, oui. Il va quitter Lemberg. Mais bon, Lemberg, il faudra encore, là aussi, l'exempter d'impôts. J'imagine, on quitte... oui, ça marche quand même. Il rejoint
Louis Darrel. À gauche, marchez. Voilà, comme ça, il a sa, sa division est complète. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Bon, ça c'est bon. On va quand même recruter des milices un peu partout. Voilà. On a construit une manufacture en Lituanie et un entrepôt de ravitaillement en Autriche. Et dans le Brandebourg a été recrutée l'artillerie que je devais donner à cette troupe, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc cette artillerie va donc du coup ralentir cette armée, mais bon. À gauche, marchez. Le tout c'est d'éviter d'être attaqué avant la fin de la partie, juste au moment où on va gagner, d'être attaqué par la Saxe ou même par la Hollande, ce serait embêtant. Mais bon, tout est possible. Hein. Le navire, donc, les navires vont avancer vers. J'ai pas envie de faire, c'est pas pour faire une bataille navale que j'ai fait ça, c'était pour que mes navires, enfin pour aller sur les comptoirs. Hein. J'aurais pu faire un blocus ici aussi d'ailleurs, hein, pour la Grande-Bretagne, il faudra y penser. Eh bien oui, on va y penser, on va envoyer un navire. Alors. Le Scipion. Voilà. Mettez les voiles. Mettez-y tout votre cœur pour du navire. Et on va recruter un navire de guerre. Mais peut-être pas. Parce que c'est long quand même. 8 tours, c'est très long. On va prendre un, voilà. Une frégate de 38 canons. Voilà, ça fait 5 tours. Ce sera sûrement, je pense, suffisant, j'espère. Oui, parce que ce sera pour faire un blocus sur un port. Normalement, ça devrait suffire. Et voilà, donc. Ok, maintenant on est prêt. Alors lui, je sais pas, j'ai pas vu où était le russe. Ça m'ennuie parce que tout seul avec une artillerie, on va aller vers Vilnius. Immédiatement. Voilà. Pour rejoindre Napoléon qui manque d'artillerie, enfin qui a des artilleries à pied. Alors Smolensk, qu'est-ce qu'il y a à Smolensk? Un magistrat, l'infrastructure n'est pas. Voilà, donc apparemment Napoléon Monsieur. Devrait prendre Smolensk sans difficulté. Oui, milord. On va voir quand même s'il y a des armées qui se préparent à venir. Non, on dirait que non. Hein. Bon, il peut y avoir des armées cachées, hein. Oh. Évidemment. Novgorod n'est pas plus protégé. C'est assez décevant quand même. Cette facilité. Assiégez-les! Eh ben oui, on leur demande s'ils veulent se rendre. Hein. Levez le siège! Et ils se rendent. Hein. Smolensk est capturé. Le village ennemi dépose les armes. Et nous avons le gouvernement de Smolensk avec, alors, une mine de fer. Et c'est tout, ouais, c'est pas riche hein, Smolensk, apparemment, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, eh bien, nous avançons donc, effectivement, alors là, vers Moscou, ça semble un peu trop facile. Et cette armée, l'autre partie de l'armée, eh bien, avance, elle, vers Saint-Pétersbourg. Recherche de ravitaillement. Comment puis-je vous aider? Voilà, c'est ça. Ici, on est en contact avec la Suède. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas vu l'armée suédoise
venir par ici. Eh ben voilà, disons, on est très près de Moscou, on croirait une blitzkrieg. Mais faisons attention, parce que peut-être qu'il va justement se passer la même chose qui est toujours arrivée. Ben, pour l'instant, on est quand même pas. On est assez loin de l'hiver, et je suis proche de Moscou. Ça va, donc c'est pas mal. Oui, alors il lui manque, qu'on avait dit, il lui manquait une infanterie de ligne. Est-ce que j'étais en train d'en recruter une? Je sais pas. Non. Alors je vais en recruter une. Voilà. Pour qu'il rejoigne l'armée, la division de Masséna. Et bien donc maintenant, voyons voir les infrastructures. Là c'est bon. Vilnius, on avait dit, je ne sais plus. Oui, ça, Vilnius est bon au niveau de l'infrastructure, mais eh ben, c'est bon aussi, magistrat. C'est peut-être ici que c'était pas le cas, je sais plus. Là, il y a bon magistrat. Ben, c'est bon pour magistrat. Et l'infrastructure est en train de se mettre en place. Là, voilà, on fait route, pavé et construction. Ah non, c'est une caserne. Oh, bon, allez, hop, on va faire la caserne. Je sais que je voulais pas trop, mais bon. On est à la fin de la partie, et puis j'aurai besoin d'avoir des troupes, de lever des troupes peut-être, on verra. Bah voilà, hein. C'est pas mal ça, nous nous enfonçons dans la Russie. Et nous allons voir si nous pouvons attaquer, dénicher encore, comment il s'appelle là. Kutuzov, mais bon, s'il veut pas apparaître, hein, Kutuzov, ça va être embêtant. Ah non, ça y est, on a bougé, c'est fini. Déjà ? Non. Votre humble serviteur. En avant ! Marchez ! Ouais, je vais pas faire mourir toutes mes milices. Il peut aller jusqu'où, là ? On sait pas trop. Hein. Immédiatement ! Peut-être qu'on l'a dépassé. Bah tiens, on va recruter une milice ici, et celle-ci va effectivement venir au mine de fer, et peut-être même avancer. En avant ! Non. En avant ! Ah ! Kutuzov reste secret, reste caché, apparemment. Ça va pas être facile de dénicher celui-là. Enfin, c'est comme ça le jeu, hein. S'il décide de pas faire d'embuscade, eh ben, il reste caché, voilà. Bon, je laisse cet espion toujours dans le coin ici, peut-être que j'en aurai besoin plus tard. Le gentilhomme, donc, continue sa marche vers la ville de l'université de Magdebourg. Et justement, puisqu'on parle des universités, voyons voir. Ok, c'est bon. J'attends la construction d'une usine assez rapidement, j'espère. Enfin, bon, c'est en 3 tours qu'on aura fini la grande batterie. Ce serait bien que l'usine se termine dans 3 tours. J'avais fait l'usine à Clermont-Ferrand, si je ne me trompe. Alors Clermont-Ferrand, combien de tours? Encore 5. Ah oui, c'est long quand même. Bah tiens, on va améliorer à Mont-de-Marsan l'entrepôt de ravitaillement. Et puis après on fera les friches aussi. Il faudra faire les friches. Enfin tout ce qui est faisable. Et ben voilà. Hein, je pense qu'on va arrêter le film ici, avant de passer à fin septembre. Ou alors je passe à fin septembre, voilà. Et on se retrouvera. Ah ! Je sais pas où j'ai caché. Ah, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ils attaquent un navire. Ah ! Le navire qui fait le.
fait le blocus sur le port de commerce de Londres est attaqué par la flotte russe. Bon, je vais pas faire la bataille, je vais faire une auto-résolution. La mer est à nous. J'ai bien eu raison, on a gagné. Donc, c'est bien. Il gagne son premier chevron, il a coulé deux navires, je pense. Ouais. Voilà. Oulala, les Russes sont en train de chasser les Ottomans du sud, là. Les Hongrois vont-ils se protéger contre les Russes ? Ou sont-ils alliés ? Je sais pas, va regarder. Bah, les Ottomans, ouais, ils ont l'air de souffrir. Eh bien voilà. Nous sommes à la fin septembre 1806. Et on va en rester là. Dans cet épisode où nous avons recruté en Galice à Lemberg une milice. Voilà. Et aussi une milice au Tyrol. Alors j'ai vu, mais je sais pas où, voilà, on ne voit pas très bien. J'ai vu bouger l'armée de Kutuzov, je pense. J'ai cru que c'était lui, je sais pas. Je regarderai les images. Eh bien, justement, puisque nous allons arrêter ici le film, et hop, allez, sur Paris, on arrête le film sur Paris, et on se retrouve au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu.